Yo, salut les gars, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Dans ce live, nous allons commencer la peinture de cette Porsche Tamiya pour le club Mini Z d'Alsace du Sud, le Sungo. Je crois que ça s'appelle comme ça. Salut Stéphane Roséo, salut Alexis Sam, salut Black, comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. Alors, hop, c'est parti, on va se mettre sur le Discord aussi, j'avais oublié de le mettre. Et voilà. Youps, j'ai failli me couper là. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, salut Lord RC Aventure, salut petit scarabée, comment il va Seb, comment ça va la famille, j'espère que ça va bien, salut McFly, salut RC Mod Racing, oh RC Mod Racing, le groupe Facebook, comment ils vont les gars? Et salut Maxime Coco, qui a peut-être ou pas encore reçu sa carrosserie. Je sais pas si tu as vu Maxime, mais j'ai publié les photos de ta carrosserie sur Facebook et je t'ai identifié sur les photos. Normalement, tu as dû le voir passer. Alors, oui, je suis pas dans le groupe là. Hop. Voilà. Je suis en train de faire des petites modifs parce que hier, j'avais pas tout à fait terminé ce que je voulais faire. Et salut André! Moi ça va bien, hein? Salut, j'avais dit Alexis Sam, bonjour. Je vais commencer par peindre le chrome et là je regarde parce que je. Hier j'étais en train de me tâter pour faire. Soit je fais un max d'effets, soit je fais. Encore des modes. Bonsoir à tous, c'est la loutre. Oh la loutre! Ma petite loutre, comment ça va? Écoute, ça va? La forme? Oui. Alors, pour le bled d'Alsace, c'est le Sungo. J'ai dit quoi? Ça se prononce comme ça, Sungo. 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 Ça s'écrit Sundgo, c'est ça, hein? Ouais. En gros, c'est. Si tu veux, c'est la campagne, en fait. Attends, je vais l'écrire sur le pare-brise. Sundgo. Ça veut dire quoi, la campagne anglaise? Ouais, c'est la campagne, en fait. Alors pourquoi ils se sont appelés comme ça, quoi? Ah, tu sais, il y a des noms bizarres, hein, comme Comme la chez loutre. vous, Comme la loutre. dans le nord. Salut Stéphane. Comment il va? Sungo Mini Z Club. À Irsang. Enfin non. Irzing. Non, non, ça c'est le gars qui m'a écrit qui habite là, mais le club, je sais pas où il est. Un Je club. connais même pas ce club. Un Ça va être club au un sud de club. l'Alsace. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça va être C'est. un Alors club je privé, ça, je suis. pense. Fabien, président du Sungo Mini Z, un club du sud de l'Alsace principalement dédié à la pratique de la Mini Z. Notre salle n'étant pas accessible, suite aux contraintes sanitaires actuelles, nous avons décidé d'élargir notre activité, en l'occurrence la Porsche Cup du Challenge TETC. TETC qui veut dire Tamiya Euro Truck Challenge. Plusieurs membres du club se sont achetés un kit camion et Porsche, et nous en avons. C'est moi qui rajoute, un kit quoi. Et nous en avons pris un pour le club qui servira pour les endurances et surtout pour l'initiation des débutants et des jeunes qui aimeraient découvrir le modéisme. C'est Salut pour Lord.
C'est pour la peinture de la carrosserie et de ce châssis d'initiation que j'aimerais faire appel à toi, suite au conseil de Manny, qui sera chargé du montage du châssis, histoire de faire connaître cette nouvelle activité de notre club. Voilà. Et puis après, il me demande un devis. Voilà, bref. Voilà. Amis du soir, bonsoir, Stéphane 276. Merci Stéphane, très belle Salut. présentation, bonsoir à toi. Alors, ouais, il faut que je rajoute une petite découpe. Hop, ça va Steph? On a eu un peu de soleil, j'ai pu rouler aujourd'hui, super. Ah, t'as roulé en quoi? J'ai fait avec mon gunner. Alors, bonsoir Ludovic Rubin, je vois que tu es en train de faire une Porsche Tamiya, c'est super extraordinaire, j'espère qu'elle va être super belle et qu'elle donnera beaucoup de valeur. Bah écoute, je ne sais pas, on verra, en tout cas je vais m'appliquer. RC Racing, j'ai bien aimé le rendu de la Betty. Ouais, bah la Betty elle est encore là, elle est en arrière-plan. Voilà. Voilà, elle est là, je la monte parce qu'un jour ou l'autre elle partira de l'atelier. Voilà. Vous l'avez vu, regardez-la bien, parce que je vais pas la refaire tous les jours. Voilà. Donc là, je suis en train de choisir les couleurs que je vais faire. T'as roulé qu'un gunner, c'est quoi un gunner? Un buggy, mon MHD Gunner. Ah oui, c'est vrai. Ça s'appelle comme ça. Bonsoir JBD100. Alors, je suis en train de réfléchir à mes couleurs. Profiter de juste un petit peu de soleil entre deux averses de flotte qu'on va reprendre demain. Il paraît, il paraît. Y a pas de la neige chez toi? Si, il y en avait un peu hier. Voilà, un peu fondu aujourd'hui. Il va nous faire des vidéos de neige là. Qui ça? Moi? Oui, oh. Manny, dans son Ah, pays, il va faire des ah bah neiges. ouais, là c'est sûr, lui, il y a de la neige là. Bon après, c'est pas franchement une saison pour rouler quoi là. C'est comme ça qu'on casse les plastiques là. Bonsoir, monsieur Fluke 965. Anna Flipke, salut. Salut, salut. À tout hasard, dit Lord RC, je cherche un pot d'échappement TT1/8 avec pressu inversé pour mon Mugen Athlète, car le moteur est de l'autre par rapport au TT moderne. Exactement, tu as raison, je m'en souviens très bien. Alors moi j'ai trois pots d'échappement, mais c'est des pots modernes. Enfin des pots modernes, ils datent d'il y a 10 ans, quoi. Donc la pressu n'est pas inversée. Après, je me souviens qu'à l'époque, parfois, lors d'RC, on perçait et on mettait la pressu de l'autre côté avec du mastic. Et on dégageait le trou de l'autre côté et on mettait du mastic pour boucher le trou. Voilà. Je me souviens de ça. Salut Flupke, salut Seb. Bon alors ça bricole en ce moment le modélisme, Mister la loutre.
pas grand-chose. Là, je viens de finir une Karo F1. Je suis un peu. Ouais, bof, quoi. Ah bon? Vas-y, montre. L'ai mis en story. Ah, je vais aller voir tout de suite. Mon story, la qualité, elle est pas terrible en général. La loutre. Je fais encore des bêtises et puis. On voit pas Ouais, bien. un aéro, ça. Un Ouais, c'est aéro, c'est clair dégueu. que ce La sera mieux. qualité visuelle fait que on voit pas très bien. Mais en tout cas, tu t'as fait de l'aérographe là, non? Non, c'est tout à la bombe. D'accord. Avec du liquide masque? Ouais. Bah écoute, bravo. On dirait que t'as fait du dégradé quand même dans une étoile. Dans toutes les étoiles, il y en a, ouais. Bravo, hein? Allez. Alors. Mais pourquoi t'as refait une carreau? Bonsoir, monsieur Tamiyaki. C'est une autre, c'est un autre modèle. C'est un autre modèle, c'est pas. Ah ouais? Il joue Ouais, les quoi? pontons sont un peu différents, les petits trucs, enfin, il y a des petits changements, quoi. Et tu vois ça où, Tony? C'est sur Facebook. Il a mis en story. Si t'es ami Bonsoir, avec ça va la être bien. loutre Matic, tu vois sa story. C'est le premier truc. Les stories, elles apparaissent tout de suite en haut de Facebook quand t'arrives. Vous m'entendez? Ouais, salut. Ah, je trouve que personne m'entendait. Ah si, j'ai dit bonjour. Ouais, mais toi, ouais, mais les autres, je sais pas s'ils Non, je m'entendaient. t'entendais pas au début, mais maintenant je t'entends. Bonsoir, Tamia. Ah, monsieur Stéphane, enfin. Comment vas-tu? Ça va? Ouais. Je suis venu Comme sur le ça. Discord, j'ai vu que tu n'étais pas là. C'est comment? Je suis venu. Maintenant, je vais pouvoir partir de nouveau. Ah non, Ah, reste. bonne soirée. Je rigole. Salut Ludovic Rubin, salut Pascal Soudé, salut Seb. Salut à tous ceux qui sont arrivés. Alors, c'est quoi tes difficultés que tu rencontres en peinture? Le masque, si tu veux, comme il est fait à la au pinceau, c'est un peu chiant des fois quand tu t'as l'impression qu'il est coupé, mais en fait il n'est pas coupé correctement. Ouais. Et après, quand tu fais à la bombe, si tu veux, tu as une genre de pellicule de De peinture. une deuxième pellicule qui se met dessus, et quand tu enlèves cette pellicule, ça t'enlève le film en même temps, Liquid le masque. masquage. Ouais. Mais le masque, la peinture passe pas en dessous? Salut Black. Non. Non, non. Non, Monsieur Foster, bonsoir Pascal, bonsoir Ludovic, Fluc. non. En fait, c'est pour ça que j'utilise de moins en moins les bombes. Parce que en fait, il y a ce problème-là, quoi. Ouais, c'est chiant ce film. Qui... En fait, la bombe, elle te fait une épaisseur de peinture très. C'est beaucoup plus épais que ce qu'on fait à l'aéro, en fait. Ouais. Et dans ma toute première vidéo, ce qui m'énerve, c'est qu'elle cartonne. Les gens, ils continuent sur YouTube à aller voir cette première vidéo. J'avais marqué. Le titre, c'était ma première carrosserie à l'aérographe. Et en fait, j'ai quand même mixé, j'ai fait. Il y a quand même pas mal de blanc couvrant entre les couleurs que j'ai fait à la bombe. Et le problème, il est là, Ok, quoi. Sébastien. Et ça, c'est un truc que je ferai plus aujourd'hui. Mais bon, cette vidéo, elle continue à cartonner, quoi. C'est un signe, ton pull, ton sweat ou pas, Tony? Non, ne le prends pas comme un signe. C'est juste que j'avais froid. Non, mais je te demande. Tu n'y vois On pas sait un jamais. signe d'arrivée d'un nouveau châssis. On sait jamais.
Ah, j'ai mangé de la quiche, là. Il a déjà mangé. C'est fou de manger aussitôt. Alors. Oui, c'est ce que m'a conseillé Fabien Bricard du magasin Racing Shop de repercer un pot et de reboucher. Ouais, et puis lors d'RC, tu fais ça. Et puis après, bah, tu ponces ton mastic et tu peins avec une peinture haute température si tu as besoin de rouler avec. Voilà. Le but, c'est de faire une finition à peu près propre, surtout que c'est une voiture de collection, si j'ai compris. Je suis ravi pour toi, Ludovic Rubin. Il dit, moi, j'ai un camion Tamiya, il est super beau, il est magnifique. Ravi. Non, j'arriverai pas à passer dedans. Ça ne va pas. Lequel, Ludovic, de camion que tu as? Mais c'est chiant ça. Ça va, Fluke? Alors du coup, ça te donne envie de faire de l'aéro, Stéphane. Ah, il a muté, Stéphane. Bonsoir Christophe le gros. Salut Christophe, le t-shirt de Tony. Oh, je suis revenu, mais là ça merde. Bonjour monsieur le gros. Ce soir, il y a trop de gens qui se connectent, c'est le bazar. Non, ça va, il n'y a pas trop de gens là. Qu'est-ce que tu dis? Hello les boys. Ah bah moi, j'arrive pas à te voir. Ça tourne en rond tous les 5 minutes. Ah bon, ça bug? Bah dans moi, sûrement chez moi. Non, c'est bon pour moi. Toutes les 30 secondes, je suis obligé de remettre en direct parce que ça tourne, mais Ah ouais, j'ai t'as pas de un direct. problème de réception là. Mais là où j'habite, avant j'étais tout seul, on était 5 maisons, maintenant il y a 20 maisons. T'as pas la fibre? Non, ils sont en train de l'installer dans le coin, alors c'est le bordel. Ils ont fait brûler en plus les boîtiers de raccordement il n'y a pas longtemps. Moi, je vous surveille du coin de l'œil, mais je vais manger. Ouais, bah de toute façon, si tu as pas de Ah connexion, bah, tu manges toi aussi. bon, il va être 20 h bientôt. Hein? Il va être 20 h bientôt. Ouais.
au niveau du choix des couleurs, hop, là, je vais faire du noir. Alors, ouais, et puis là, je ferai les lettrages. Bon, ben, je vais bouger les caméras. C'est parti, on va commencer la peinture. Qu'est-ce qui nous sort Stéphane Roséo? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, d'accord, j'ai mieux compris les blagues. Ah, Stéphane, s'il était sponsorisé, non pas par Choum, mais par X-Ray, il dirait pas ça. Non. Il dirait, ah, c'est les meilleures voitures. Il arrive, Christophe. Ça va, Christophe? Christophe Legros, bonsoir messieurs. Ça va, Monsieur toi? Legros, bonsoir. Ça va, Mickaël, et toi, Tamia, Tony? Bon. Il y a Stéphane, Monsieur la Loutre. Et tous ceux Stéphane, qui sont bon. sur. Salut, Chrissy. Ça va? Oui. Et après, je dis pas ça parce que je suis sponsorisé Flume. Hein. Il y a... La X-Ray, c'est une très 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 bonne voiture, une très bonne marque. Je dis pas le contraire. Non, mais La tu X-Ray, parlerais c'est pas vrai, du je mot comprends pas. l'arrêt si. L'arrêt. Hein, tu dirais pas Parler ça. de quel t-shirt, Tamiya, T2M qu'il a, Tony, là? Ouais. T2M. Ah, c'est une bonne marque, ça. T2M. Il n'est pas du T2M. T2M. Ah, Manil a sponsorisé un youtubeur suisse aujourd'hui. Bon, ça a été votre journée? Oui. Oui, et toi? Bah oui, bah, comme d'habitude, Matt. Non, JB2, c'est des initiales. Voilà. Ouais, c'est le week-end, Stéphane. Ça va faire du bien, un bon petit week-end confiné à 18h. Et Bon, vu ça le va, la nouveau châssis que chapa? j'ai? Vous avez vu la taille du truc là? La nomade? Ouais. Qui connaît? Qui peut en parler? Ben, je connais de nom, mais je connais pas. C'est un team associated, non? Ou pas? Bah écoute, il y a des autocollants. Timasso RC10. Ah ben, DB8. c'est un RTR de chez Team Associated, ça fait. Mais dis donc, avec la carreau, elle pèse 2 kilos. Ouais. Il y a une structure tubulaire. Les plaques sur les côtés, on dirait de la toile de militaire tendue. En fait, je crois qu'il l'a renforcé. Le gars, il s'appelle Guy, il a mis du scotch kaki à l'intérieur. D'accord. Donc en fait, il en a recommandé une autre et il veut que je lui peigne. Mais bon, il m'a expliqué, mais j'ai rien compris. Voilà, à ce qu'il voulait. T'es mal parti. Ah bah c'est pas grave, je vais l'appeler demain et je lui demanderai ce qu'il veut. Ça sera plus clair par téléphone. Bah ouais. Poum, 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 poum. Donc, Caro Porsche finit ce soir. Oui. C'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. C'est pas une carreau Christophe Legros, tu vois. C'est qui ce mec-là? Bah tu sais, tu resteras dans les annales. Enfin ça, t'as l'habitude. Oh, c'est petit. Ouais, Oh, c'est petit, monsieur. Monsieur m'attaque à froid. c'est une D'accord, expression. d'accord. N'y vois D'accord, rien je retiens. de. N'y vois pas de métaphore bizarre. Non, du tout. Tony, la deuxième carreau que tu as fait, enfin la carreau après celle de Chris, tu as mis combien de temps dessus? Celle de Christophe? Non, celle d'après. Après, c'était quoi? Ben, il n'y en a pas eu après. Non, celle d'avant. Celle de Maxime. Ah, celle-là, c'est beaucoup plus raisonnable. Tout à fait. Celle-là, je vais la proposer, je vais la pousser. Parce que j'aime beaucoup. Par contre, je modifierai peut-être l'avant parce que je suis pas fan de l'avant qui est un peu en travers.
C'est le seul truc qui me déplaît. D'ailleurs, ça déplaisait à mon fils aussi. Mais sinon, elle est belle et elle est, pour moi, elle est beaucoup plus accessible, beaucoup moins d'heures de travail. Combien c'est, 8 heures? Bah, il faudrait que je regarde les lives et que j'additionne les heures. Après, tu peux enlever les temps de dessin si tu veux que compter la peinture seule. Mais savoir que souvent les designs, c'est une grosse partie du travail, hein, de dessiner, tu fais faire le cutter. Mais il y a moins de travail. Ah ben ça, ouais. Il y a moins de travail au niveau dessin et cutter que sur celle de Christophe. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Hein, mais... En tout cas, elle plaît beaucoup. Je l'ai publié sur Facebook et dis donc, les gens, ils ont été vraiment impressionnés. De laquelle? Ouais, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Elle était beaucoup plus sobre, beaucoup plus classe. Celle de Sans critiquer celle, Maxime Coco. ouais, sans critiquer celle de Christophe, hein, qui est très bien aussi. Hein. Oh non, mais Après, écoute, c'est faut être plus dans les artiste. tons, enfin les tons couleurs que je préfère, hein, et le style. Ah oui, la Seven rouge et noir et blanc. Ouais. Ouais, j'aime bien aussi, hein. Ouais, tu regardes sur mon profil Facebook, tu la verras. Ah, ça y est, je suis dessus là. Ça, Ça celui qui claque la aussi, veut. hein. Petit prix là-dessus. Enfin, Pas cher. le prix normal. Pas le prix à 500 euros. Le petit prix. Quel prix de 500 euros tu parles? Bah, tu sais, ta Caro, tu m'as dit je mettrais le budget que tu veux. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, il a pas dit ça, c'est pas vrai. Il a dit ton prix sera le mien. Je m'en Non souviens. plus. Tu m'as dit tu me fais chier, elle est trop dure, mais bon, je vais te la faire. Tu m'as dit ça. Ça oui. Tu manges pas ta soupe, Christophe? Suis en train de boire un petit rhum là. Mais non, ce soir, non. Par contre, dites-moi quand ma caméra est pas bien orientée. Voilà. Elle est pas bien quand elle est pas bien ta caméra. Christophe, le rhum, c'est quoi pour faire passer la douloureuse des 500 balles, c'est ça? Oh oui. Tu sombres l'alcoolisme. Oh oui, je pense, là oui. Un désastre. Sinon, j'aime bien le rhum. Les messages. Faut que tu Sors. sortes. Ah, J'aimerais bien que tu me fasses une voix comme ça de temps en temps. Le gros. là, c'est mieux là. Ouais. Ouais, des fois, faut mettre à jour les logiciels sur Android. Ouais, je mets à jour. Ah non, c'est marqué la mise à jour a été reportée. Non, mais alors, hein? Bah bravo. J'ai senti qu'il y avait un truc. Ouais, Black, c'est bien de celle-là qu'on parle. L'avant blanc, nid d'abeille bleue, l'arrière rouge, celle de Maxime Coco. Elle est. Si vous êtes amis avec moi sur Facebook, j'ai mis plein de photos et une petite vidéo. Oh, un DB8. Salut Benzbike. Tout à fait, c'est le DB8 de JB. Pas JB, hein, GB. Great Britain. Enfin, il s'appelle Guy. Il est beau son suite X-ray, hein, Christophe? Ouais, il est pas trop mal. Mais Tamia, ça le boudine un petit peu. Ah Étrange, hein? Monsieur Christophe, tu n'es plus le bienvenu. Voilà. Ah, tu m'as attaqué sur l'anal. Tu m'as attaqué à froid.
Je suis peut-être boudiné, mais je m'appelle pas le gros. Ah non. Bah, c'est vrai que mais dans ma famille, ils sont tous costauds, mais une grosse ossature, quoi. C'est des sacrés gaillards. Il y a que moi qui étais pas gros. C'est vrai que tu portes pas ton nom. Ah bah, je fais 80 kilos. Non, bah, t'es pas du tout boudiné. Non, ça va. C'est pas 80 kilos puis 80 centimètres de long, ça. Hein. Où t'as mis un? Non, mais par contre, Tony, si t'as un petit t-shirt là à capuche X-ray en trop en taille non, non. XL. Toi, t'as pas d'X-ray, qu'est-ce que tu veux, t-shirt X-ray? C'est pas grave. Alors, aussitôt le jaloux. Bah, je peux peut-être en acheter une. Ouais. Ah oui, alors ça c'est différent. Alors sache que mon Switch, je l'ai acheté. Ouais, ce qu'on dit. Ah, et grâce à toi, grâce à ta Mia, Tony, il a plein de Switch gratos. Non, j'ai pas le Switch, je l'ai acheté. Par contre, les t-shirts, le t-shirt, j'ai deux t-shirts, un pour moi, un pour mon fils. Je les ai eus gratuits. D'accord, donc si je t'envoie un avec un Timasso, c'est que j'aurais compris. j'ai demandé avec la commande de... De la voiture piste 1/8 pour Monsieur Tamiya qui va arriver en une piste 1/8 électrique qui ouais. Va arriver sur la chaîne. J'ai demandé, j'ai mis dans la commande un t-shirt Timasso pour moi. D'accord. Ouais. Et nous on pue. Ben, hey, je l'achète. Hein. Ah oui, oui, avec notre argent. Suivant la quantité de commandes, tu peux avoir un t-shirt gratuit. Non, mais j'ai dit que. Je leur ai dit par téléphone, je dis et je commande et je vous commande, vous pouvez le mettre un t-shirt Timasso XL. Et je pense qu'ils vont me l'offrir. C'est dommage, c'est pas XXL XL. Oh, j'en achèterai en Suisse. En Suisse. Sinon, il y a un t-shirt Obao en Suisse, tu veux. Hein? J'ai mis un t-shirt Obao. Il y a tout le monde qui parle en même temps, on est mal. Là. Pardon. T'as mis quoi, monsieur Laloute? T'as combien? Une Caro, mais c'est un truc de fou. Le gars, franchement, il a géré. Attends, je vais te dire ça, je suis dessus. Ah ouais. Ah ouais, c'est d'un autre niveau que. Ah oui, oui, que notre peintre officiel. Ah oui, non. Non, je déconne. Ah, c'est autre chose. C'est. C'est quoi? Ouais, c'est une carrosserie de FG. C'est une A5M. Ouais, une A5M. Ah, c'est le gars qui a fait du Iron Maiden. Ouais, ouais. C'est un truc de fou, hein. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que le personnage, ça, c'est magnifique. Et je trouve que tout ce qu'il y a autour, c'est un peu trop simple, en fait. Ouais. Il aurait pu faire le plus d'effets. Mais sinon, ouais, c'est beau. Pas mal. Merci. Merci, monsieur Laloutre. De rien. Ouais, t'es arrivé à combien de carrosserie, là, Tony, qui va arriver? J'ai pas compté. Je pense que j'approche la vingtaine. Ah oui, quand même. Parce que là, je vais en recommander une, alors, pour toi. Non, non, non. Attends, ton Timasso, bon sang, je sais, moi je les attaque, monsieur Legrand. Faut pas être pressé. Mais non, mais c'est pour après, c'est pour quand. Déjà, Bumblebee, il remplit les paniers en vitesse, là, quand tu fais des commandes, à tout là. Bah ben non, on est barré, là, on est pas. Non, je rigole. J'ai rien à dire, moi. Oh, c'est vrai. Non, mais quand à chaque fois là, quand je passerai mon tour, quoi. Et là, ce sera une carreau simple. Quelqu'un qui peut bannir, là, il y en a un qui est arrivé, là, au lieu de dire salut, 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 c'est pas parler. Salut Rémi! Comment qu'il va?
Ah, c'est Rémi, pardon. Salut Rémi. Rémi sans famille. Pourquoi tu lui dis ça? Rémi sans famille? C'était un film. C'est un dessin animé, c'est une série des années 84-85, je crois. Ouais. Rémi sans famille, tu regarderas sur YouTube. Oui, je connais. Et bah, tu chiales quand tu regardes cette série-là. Bah, si t'es dépressif, tu te tires une balle. Alors, j'évite de la regarder en ce moment. Eh, c'était vachement bien, je m'en souviens. T'es dépressif, Christophe? Ouais. Quand le caniche est mort, ça m'a foutu les boules. Je savais pas que t'étais dépressif, est-ce que... Comment ça va? Bah, ça peut arriver. Hein. Salut, Claude Bocalèche. Salut, Claude. Salut, Christophe. Bonsoir, Claude. Il y en a dans le Discord, il va me gronder si je commence. Bonsoir à tous, et bonsoir à tous ceux que j'ai pas dit. Oh, ça fait du bien d'être à la maison. Surtout qu'il caille, là. Ah ouais, il fait moins 8. Ouais. Non, ça va aujourd'hui, ça allait. Pourtant, j'adorais le froid. J'étais toujours en short dehors. C'est l'hiver. Même l'hiver. Mais puis là... Il faut aller à Toulouse. Ouais. Toulouse. Salut Grigri. Ah, ça c'est le copain. Ouais, enfin c'est le copain, c'est le petit jeune à surveiller. Grigri, bonsoir. Bah, je sais qu'il y a Pascal Souzé qui va t'envoyer une carrosserie aussi. Je commence à avoir. Je commence à avoir des colis qui arrivent tous les deux jours là. Des coliques. Ah, bah, c'est le succès qui arrive. Mm-hmm. Bonsoir, monsieur Manier, c'est Garage 68. C'était pas ce que j'avais prévu, hein. Je voulais faire des carreaux cool, mais là, ça commence à tomber. Là. Salut Manier. Bonsoir, monsieur Manier, c'est Garage 68. Boujoute du Havre. Sympa, Manier, d'avoir sponsorisé une petite France Suisse. Salut Manier. Alors, petite. J'ai commencé à préparer le carton de Mani pour le retour, puisque je suis en train de faire la carrosserie pour les copains de Mani, le club Mini Z Sun Go. Et Sun Go, il paraît que ça se dit comme ça en alsacien. Alors, normalement, je la termine ce soir, Mani, et j'espère pouvoir la mettre dans un poirelet demain samedi pour que tu l'aies milieu de semaine. Voilà, que tu aies les 4 carreaux. Voilà, voilà. Donc toi, tes 3 carreaux étaient prêts depuis longtemps, hein, mais... Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais, hein, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Parce que j'ai trouvé ça au fond du carton. Je me suis dit, ça doit être pour moi, ça. Donc, super, merci beaucoup, Mani, pour les stickers que je mettrai sur une de mes carreaux. Voilà. Donc, et puis, j'en mettrai une sur ma planche de stand. Comme ça, à chaque fois qu'on verra des gros plans, on verra ta petite chaîne. Donc la chaîne Manier C Garage 68, je pense le plus grand youtubeur RC voiture de la France. Voilà. Et il sort tellement de vidéos que j'arrive pas à tout regarder. Comment il va, Mani? Mani, il tire plus vite que son nom quand il écrit. Ici, c'est comme la Jamaïque. Il fait chaud. Tu serais pas jaloux, Tamina? Non. Ouais, enfin, Jamaïque très blanc, quoi. Vu ce qui est tombé, là, c'est la misère. Là, j'ai mis la photo, une photo sur le Discord. Avec j'ai même que le tien, Tony. Tu parles de l'autocollant? T'as de la neige, Stéphane, chez toi, la loutre. Pardon? T'as de la chaise. Ouais, il y a pas mal de neige, ouais. Ah bah oui, c'était tombé en Suisse allemande, là. Suisse allemande. Ouais, bah vers Bâle, enfin Bâle. Jamais poissé, pas tout. Ouais, dis donc, ça parle jamaïcain. C'est pas jamaïcain, ça, c'est réunionnais. Alors, il me faut du noir et un cutter, s'il vous plaît. Hop. Et tout de suite, maître. Maître Capello.
C'est vrai, il me faudrait des assistants ici. Bah, invite-moi à l'apéro, je viens. C'est ce que tu dis tout le temps. Non, mais avant de prendre l'apéro, faut travailler. Bah oui, travailler en même temps que l'apéro. Bah, faut dire que si je viens chez toi, j'ai déjà fait ma semaine de boulot. Oh, j'arrive pas, ouais. J'ai fait une couche trop fine. Mani sur le Discord, ça serait trop bien. Bah, on va lui proposer. Mani, est-ce que tu veux venir parler un petit peu sur le Discord? Ou quelqu'un du et ou quelqu'un du club Srongo. Bah alors, j'arrive pas. Non, non, apéro après Tony a raison, sinon ça finit comme dans le sud-ouest et c'est pas bon, mort de rien. Là, je ne pas le défendre, mais il a pas tort. Ça dérape après. Non, tu me payes un bon cassoulet et je viens. Cassoulet. Tu penses qu'à manger, Christophe? Ah bah c'est toi qui dis ça là. Tamiya Kid, c'est le gars qui mange tout le temps. Tamiya, il a toujours quelque chose dans la bouche. Et soit c'est des sushis, soit des chocolats. Non, les sushis. Bon. Mani, il aime bien quand j'y fais ça. Quand je lui dis au revoir, il sait que c'est moi quand j'ai dit au revoir. Il fait Boujouk du Havre. Puis il me fait toujours Alphonse Brom. Qui est Mani, parce que c'est comme ça qu'il me reconnaît. Il a tellement de. Il a tellement de messages et de. Attends, vous êtes intime? Non. Non, non, mais comme je suis client avec Mani. Donc voilà, puis de temps en temps, bah, je le soutiens, toi. Et on lui montre la carrosserie de Monsieur Legros. Ouais, tiens, vas-y, montre un peu. Regarde, Mani, ma carreau, toi, là. C'est la carrosserie qui m'a demandé le plus de travail. Plus jamais je l'ai fait. Parce qu'il m'a demandé de recopier un peintre italien qui est très connu. Qui s'appelle Monsieur BT Design. Picasso. Il y a Mani qui veut partir, faut que tu lui montres. Attends deux secondes, Mani, regarde. Bah voilà, c'est tout, comme ça il l'a vu, voilà. Voilà, voilà. Sur une voiture gel douche au BAO. Hop, on n'en monte pas plus. Voilà, bonne soirée, Mani. Merci d'être passé. Et à bientôt si un jour tu veux passer sur le Discord. Qu'on entende ton rire satanique. Bonne soirée, Mani. Ah oui, bonne soirée. Ouais, t'inquiète pas, je changerai les pneus, Mani. Je vais mettre du Louise ou du GRP. Bonjour, Mani. Bon, il y a les pneus Mireille RC qui sont sortis. C'est clair, moi je vais conseiller de mettre des GRP parce que les pneus au bas, ils sont trop grands. C'est quoi, Tamiya, que tu me parles? Les pneus Mireille RC, tu ne connais pas? Les pneus, attention, ces conneries-là. Ah, c'est une connerie, je crois. Eh oui, bien imité, Chris. Bah oui, t'as vu ça, Mani? À force de regarder des milliers de des centaines de vidéos à toi, non, j'ai même rien à la con. T'as dit que t'avais tout regardé, toutes ces vidéos? Non, pas toutes. J'en ai regardé au moins 1500, 2000 vidéos. En un an. Le mec qui découvre la RC là et qui se dit tiens, je veux regarder tout ce que Mani a fait, il n'y a pas fini. Ah non. Mani, il a fait 3650 vidéos, je crois, à peu près. Mais merde, je galère là. Ça fait rire Black, hein, bon. Peut-être pas toi, Christophe. De. Bah les pneus RC Mireille. RC Mireille, non. Bah moi je plonge des fois dans le. Tu me dis bon, j'ai assez pneus RC Mireille. Je me dis c'est une connerie, mais. Non, mais au niveau qualité-prix, ils sont top ces pneus. Ces pneus chinois? Non, les RC Louise RC. Ah. Ah oui, non, Louise, j'aime bien. C'était donc bien une connerie. Bah oui, mais ça existe. Bah ça, c'est Tamiya. Hein. Non, mais des fois, on a du mal à comprendre l'humour suisse.
Ah, ça va, je connais. Ouais, mais en France, des fois, c'est le second degré qui manque, quoi. Oh, on l'a, le second. Non, non, mais nous, on l'a. Oh, bah, heureusement, parce que sinon, Mais je sais. mon anal s'en souviendrait, hein, Tony? Ton quoi? Mon anal s'en souviendrait. Ah ben bravo. Non, T'as parce que je lui ai dit que ça va pas rentrer dans les annales. Ah, Voilà. tu m'as fait peur, j'ai cru que tu avais fait un truc. Non, non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane, au zéro? À part un thermomètre et un suppôt, il y a tout ce qui est rentré seulement. Voilà quoi. Humour suisse blanc. Ouais, ça lag, la vidéo, elle charge très souvent en fait. Non, bah, ça va. Ah, et moi, j'ai une fibre française, ça marche bien. Et ta fibre suisse, elle va bien, Tony? Tamia? Mais écoute, ça va, ça dépend, mais c'est bon, ça va, ouais. Il n'y a pas trop de plantage là. Non, là, pour l'instant, ça rame pas. Il y a, là... Moi j'ai la fibre tout fibre, ça veut dire la fibre juste dans la maison. T'en as beaucoup qu'on la. Moi, je sais pas, t'en as qu'on la fibre, mais qui s'arrête sur des distributeurs après dans les quartiers, puis après c'est tout par cuivre. Ouais. Que toi, t'as la fibre plein pot. Ouais, non, mais c'est bien, surtout dans un village où il y a plus de vaches que d'habitants. Stéphane 276, un Suisse, c'est un Belge qui a mal tourné. Stéphane, Moi, j'aime bien cette blague. elle est pas mal. Forcément. C'est un Belge qui aime bien. Alors, c'est un Belge, donc je devrais aimer Coralie. Alors. En fait, c'est mon. Comment on appelle ça? Ah, j'ai plus le mot. Je voulais faire une plaisanterie, mais j'ai plus. Oui, un faux Belge, faux Suisse. Non, oui, un Belge, faux. Non. Vous allez bien ce soir? Oh, ça c'est une voix que je connais, ça. C'est qui? Bah oui, j'ai dit bonjour, mais personne m'a répondu. Alors, Ça je me c'est. représente. C'est Acro76. Salut, Bonsoir. Accro! C'est un homosexuel de Rouen. Pardon? Non, un homo sapiens. Un homo sapiens, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Attention à ce que tu lui dis à ce pauvre Accro. Je suis d'accord que des fois il a un peu des trucs bizarres dans les cheveux quand il dort, mais quand même. Ah la vache. Bon, tant que c'était sur les cheveux, ça va. Vous voulez que je vous dise quelque chose? La pizza était bonne. Enfoiré, il reçoit trois pizzas. Je les ai vues en live en plus. Bon, il y a juste eu un petit problème. Une canette de coca qui a éclaté pile devant le frigo. Il y avait du coca partout. Bien collant. Bien collant, tout ce qui va bien. Ah, bonsoir Daniel, je t'ai pas vu depuis. Je viens d'arriver, non? Daniel. Grrr. Et Daniel, est-ce que tu as fini ta carreau? Parce que on voudrait la voir. Si tu as avancé, je voudrais bien la voir sur Discord ou sur Facebook. Bon, ça y est, celui-là, l'autre est parti. Il est où au nouveau? J'ai entendu 2 mois. Il part. Ah, il est parti, la loutre. Ah, tu peux envoyer des photos comme ça, je te les mets sur le Discord. Oui, à l'instant, non, pas encore. D'accord. Ça, c'est une réponse de Normand. Peut-être maintenant, oui, peut-être maintenant. 76, c'est normand, alors. Ouais. Seine-Maritime, exactement. Stéphane, il est entre les deux, alors, si j'ai bien compris. Comment? Stéphane, il est entre deux. Voilà, Stéphane, Il s'assume pas. il s'assume pas, c'est qu'il est né, il est né dans le 76, mais là, il vit dans le 27. Oh, Pascal Dibaboun, bonsoir Pascal. Moi, je me Salut. rappelle de Pascal, c'est qu'il a acheté aussi à Manille un Obao SC8, il avait fait une présentation. Je vous invite à la regarder. Et vachement bien, j'ai regardé plusieurs fois. Et c'est ce qui m'a fait envie, en plus des vidéos de Manille, bah, c'est ce qui m'a donné envie d'acheter un SC8. J'espère que tu vas bien. C'est quoi tes projets, Pascal, bientôt? Dis Baboun. Salut Pascal Baboun, salut Daniel. Voilà. Salut Tony. Salut T'es Virgile. où, Benz Bike? T'es où, mon loulou? Il y a Bonsoir, donc Virgile.
Acheter à Mani comme beaucoup, ouais, c'est vrai. Dans le sud de... Dans le sud de... Non, non, d'accord. Ah, ben, bah, il est Flo, là. Flo, Flo, Oui. t'as vu la photo que je t'ai montrée sur Messenger? Sinon, je vais pas regarder. Ah bah bravo. T'as du boulot? Ouais, j'ai du boulot. Et boulot de soudure. Il est en forme, hein. T'en fous, tu la vends comme ça? Bah non, j'ai acheté le vario, on va le brancher, on va tout mettre. Ah, faut des prises Bah, pécan et femelle. soit tu mets XT90 ou C5, mais le moteur et le vario ont les mêmes prises, donc il faut qu'on change. J'achète des prises PK femelle. Ouais. On dit des XT, non, non, 90. Le Z5, c'est les plus galères. Non, quand t'as le coup, ça se fait bien. Tu me le dis, hein, si tu veux. Bah, comme ça, je viendrai en même temps avec la VT. Comme ça, on fait une après-midi mécanique chez toi ensemble. Puis je te paye la pizza. Fais gaffe aux propositions de Christophe. Bah, j'ai ma femme, hein, qui est là, qui surveille, t'inquiète. S'il te propose de Il fera rien. mécaniser dans la chambre, n'y va pas. Il fera jamais rien, Christophe. Je peux jouer avec ton zizi? Mais oh, on est en live, il est 20h. Non mais ça va plus. Non, c'est le sketch, comment il s'appelle, l'acteur, l'humoriste là. Dieudonné. Non, l'autre, mais bah non, pas Dieudonné, oui, Dieudonné, j'aime bien, mais enfin, l'autre, le Polak là. Le Polac. Bon, enfin, le Polak, il est du pays de l'Est. Comment il s'appelle? Il est barbu, un peu costaud, un peu rondouillard. Il est mort? Ah non, Oui. il est vivant. Comment il s'appelle Alban Ivanov. Voilà, Alban Voilà, Ivanov. c'est ça. Merci, Alban Ah, Ivanov. Ivanov. Ah ouais, mais c'est cru là, hein. Tu Voilà. peux pas. Tout ne peut pas passer à la télé, hein. Voilà, ben son sketch, c'est ça. Sketch de la mec drogué. L'autre, il arrive à côté de lui. Puis il fait, je peux jouer avec tes oreilles? Ouais, je change le nom. Sinon, je me serais pas permis en live de dire ça. Bah, tu l'as dit. Oui, mais parce que c'était le sketch. Bah, mais on peut pas savoir. C'est pour ça que je le dis. Bon, ça va sinon, Tony? Comment? Je disais, ça va, Tony? Oui. Et Le toi, tu monsieur fais de est la bon. carreau à fond. Tu fais le carreau, Macron. Il s'est remis de la carrosserie de Monsieur Le Gros, il s'est plaint. Bah, raison de se plaindre. Bah, d'accord. Merci la solidarité. Puis attends, il a pas encore fait ta voiture. La Timasso, bah non. Si on la reçoit un jour. Ouais, l'année Allez, c'en prochaine est où au peut-être. fait? J'ai pas de news. J'ai essayé d'appeler Ah ouais, aujourd'hui, c'est mais cool. ça n'a pas décroché. Voilà. En même temps, j'ai pas appelé longtemps. 2 3 coups. secondes et demie. C'est bon, il n'est pas là. Je me suis dit, je retenterai et puis j'ai pas eu le temps. Salut, Assistant King. Salut tout le monde. Comment va? Très bien, très bien. Rentre du boulot, tu vois. Alors, premier réflexe, je vais vite sur le live de Tony. Très très bon réflexe. Merde, j'ai même pas enlevé mon masque, truc de fou. Salut! Ah, j'avais pas entendu. Ah, Salut, d'accord. monsieur Something. Tu vas bien, Tony? Oui. Je vois que tu t'arrêtes jamais, t'es une vraie machine. Si, je vais bientôt m'arrêter, j'ai faim. Tu m'étonnes. Ah, monsieur a faim. Oh là là. Oui, tout le temps, il mange tout le temps, ce Tony. Il mange tout le temps, ce monsieur. Hein, Tamiya? Non, il ose manger 3 fois par jour, le mec, quand même, il abuse. Trois fois. Bah, on ne sait pas ce qu'il a mangé avant, après le live.
Et c'est vrai que je commence à avoir faim. Bah, je vais bientôt arrêter, on va m'appeler pour la pizza. Non, j'ai pas. Maintenant, j'ai cherché mon variateur. Et puis, voir qu'il était. Puis, j'ai vu les magasins, enfin, les pizzas, il y avait du monde. Je vais pas. Après ma journée de travail comme ça, j'attends pas. Mais t'inquiète pas, je peux en faire une maison. Et j'en ferai une avec un bon petit feuilletage maison. Je ferai un appareil à pizza. Je pourrais cuire mes oignons à l'étouffée, toi. Après, tu mets les tomates concassées, tomates pelées, concentré de tomates, sel, poivre, muscade, coriandre. Et après, tu étales ça sur ton feuilletage quand il est cuit, toi. Et anchois, tomates, gruyère, jambon. Comme toi, une pizza de charcutier, toi. Avant, je faisais aussi des pizzas au saumon, toi. Saumon, campagnarde. C'est quoi une pizza quoi ce soir? Non, il n'y a pas de pizza ce soir. Non, Hein? ce soir, je ne me tire pas, tranquille. Une soupe. Non, la soupe, j'en ai bouffé toute la semaine, ça me va. C'est l'overdose. C'est vendredi soir quand même, merde. Pascal, Comment? c'est le logo d'un club. Le Ouais. SZ. Enfin, pour l'instant, je l'ai mis au marqueur, hein. C'est un club du sud de l'Alsace. Un club mini Voilà. Z et qui va rouler en extérieur en Tamiya TETC, donc avec les Porsche et les camions. Ouais, du viandox, c'est bon ça. Eh, c'est bon, Stéphane. Qui c'est qui connaît le viandox? Bah ouais, bah oui. C'est Eh, bourré de ça, eh, ça glutamate, dans c'est la soupe, dégueulasse. c'est archi bon. C'est vrai, c'est tout à Ah fait vrai. non. C'est un Bah truc de vieux, nourris-nous. ça, le viandox. Bah, je suis vieux, mon poulot. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi du viandox? Enfin, je dis ça, Viandox, mon c'est. frangin, il en mange aussi. C'est du Ouais, c'est simple. bon dans la soupe. Dans le... Ah, la soupe dans le viandox, c'est. Le viandox dans la soupe, pardon, c'est archi bon. C'est du sang, je crois, un truc comme ça. Mais non, ça. Non, mais surtout, c'est bourré de glutamate, c'est hyper dégueulasse en fait. Pour la Mais santé. on s'en fout, on meurt de tout. Non, mais attends, moi je bouffe du saucisson à longueur de journée et. Je veux dire, je suis d'accord avec toi. Voilà. Tu te mets le Le saucisson où gras. tu veux, ça me regarde Du pas. saucisson fume. Du saucisson fumé au bois de hêtre avec une bonne binouse de Belgique. Là Des caouettes. Et le là. saucisson fumé de Haute-Savoie, après de Un préférence. bon cholestérol à 40 ans. Ouais, bah moi ça me va. T'as vu Tony, hein, ça J'assume. parle de cuisine. Ouais, Ouais. Ouais, bon on après est bien loin de la. c'est un peu normal, ça parle pas trop RC. Ça parle pas RC du tout, Si ouais. vous arriviez à m'en parler RC et cuisine, là je vous dis bravo. Non, mais on parle des deux. Purée. Que Ça va vas-tu être chaud. manger, Tony? Une pizza RC. Ah, c'est pas mal. T'as Qui mangé du existe pas, Vario? ça? Tu as mangé du Vario? Alors, tu prends quelques petits bouts de lipo hachuré. Mmh, très bon ça, très très bon. Alors, du 4S ou du Bon, 6S très parce qu'il y a bon. plus d'épaisseur avec un gros couteau. Voilà. Mmh. Bien chargé. Voilà. Tu arroses le tout d'un peu de carburant avec du nitrométhane, ça c'est important. Pour flamber, hein. Toujours avoir un arrière-goût en plus, c'est bien ça. Voilà. Monsieur est connaisseur, c'est très bien. Non mais tu fais simple, t'arroses avec un peu de ce que tu mets dans ta nitro, t'arroses ta lipo et tu mets un coup de hache dessus, tu vois. On va faire quelques étincelles. Ça peut être sympa. Et ça tourne toujours ce petit fond, monsieur Samson. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Ah, excuse-moi, Tamina. Ah, je te demandais si ton petit fond tournait toujours comme il faut. Ouais, le typhon, j'ai changé la couronne du slipper parce que je l'ai bouffé. Je sais pas si t'as vu dans ma dernière vidéo, en fait, je l'ai bouffé. Ouais, il me semblait ouais, que tu parlais de ça. Ouais.
Et du coup, bah, j'ai reçu l'appart qui n'était pas trop dispo sur la France. J'ai pas vu trop de trucs, donc c'est arrivé d'Horizon Hobby. Je pense que Ouais. c'était de l'Allemagne. J'en ai pris deux du coup parce que j'ai vu à quelle vitesse c'était bouffé. Et puis surtout, Elles j'ai pas sont voulu prendre flinguées, celle en c'est-à-dire métal. t'avais, c'était quoi l'entre-dents ou bien? En fait, c'est le pignon. J'ai mis un pignon de 18 ou de 20, je sais plus, non, 18. Et Oui. en gros, je sais pas, c'est moi qui ai dû mal régler le mesh en fait, et ça a dû bouffer le pignon plastique. Donc, parce que le slipper c'est le pignon plastique, et du coup, Oui, je l'ai c'est. bouffé. Oui, j'ai le Du big coup. rock et puis le granit, donc. Ouais, bah voilà, même architecture, Parce même que ça plateforme. il poussait ton truc là sur les vidéos. Ouais, parce que normalement, je suis en 15 d'origine, mais là, moi, j'avais mis 18 pour avoir un petit peu plus de vitesse max. Et c'est pas Ah mal. Moi, oui. je trouve que ça vole hyper bien, le Typhon, hein, franchement. Et ça chauffe comme ça ou bien ça va encore? Bah, je m'en rends pas compte parce qu'il fait froid en ce moment. Ouais, c'est vrai. Je te dirai cet été, si je dois rajouter un double ventilo, je te le dirai. Pour l'instant, ça tient le coup. Et surtout, je suis hyper étonné par l'autonomie en ayant augmenté quand même le pignon. Avec une 5000 en 3S, tu tiens vachement longtemps. Ouais, quoi, c'est-à-dire. Bah, je dirais, tu tiens 20 Salut grosses JB. minutes. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, si tu fais des lignes droites pour faire de la Salut vitesse, JB. c'est sûr que ça va durer moins longtemps. Mais si tu fais le kéké sur un terrain comme ça, comme j'ai fait, franchement, ça tient hyper longtemps. Ismoya, t'as essayé ou bien tu l'as pas reçu? Voilà, mais les gars, le Moya, je suis en train de me prendre la tête pour trouver le moyen de vous le présenter d'une manière de ouf, en fait. Normalement, si tout va bien, je vais faire des prises des vues en plein Paris. D'accord. Bonsoir. Mounours64, bonsoir. Oh, Mathieu. Bonsoir, bonsoir. Va-t-il? Bonsoir. Oui, Daniel, pas de problème. Excuse-moi, j'ai vu ton message. J'attendais qu'il finisse sa conversation. Pas de problème. Dès que tu as fini, tu m'envoies les photos. Tu as répondu, Tony, pour Pascal Baboun, pour le SZ? C'est-à-dire? Il posait une question, pourquoi SZ? Ouais, j'ai Oui, répondu. je crois qu'on a répondu, ouais. D'accord. Moi, je vais devoir couper Ah le non, parce qu'ils live. ont. On Non, ils m'appelle. ont un gros décalage, c'est pour ça. On m'appelle pour manger. Ah. Mon assiette est servie. Bon, on Ah, arrive. t'as pas le choix. Non, non, puis si après je traîne, je me fais engueuler. On comprend. Livret de famille. On comprend, on comprend. Moi aussi, hein, Tout je suis à pas le fait, patron de chez moi. JB, c'est à carreau, tout à fait. Je l'ai reçu, je l'ai ouvert le colis et j'ai fait, ah bah oui, maintenant je comprends mieux tous ces petits bouts de carrosserie. Tout à fait. Parce que je t'avoue que avant ça, je comprenais rien. Rien. Même après. Ah, mais il a été méchant avec moi, accro, tout à l'heure. Denis. T'es accro, hein. Toujours dans les mauvais coups là, pour t'embêter, hein. Ouais. Tu te rends compte, accro, il m'a parlé de mon anal. Il y a Et des enfants, c'est oh normal. oh, il est énervé le tof là. Hey, Christophe. Hey, salut Karim. Bon, je suis désolé, mais. Salut Karim, mais vraiment désolé, mais je dois vraiment couper le live là. À 40 NP, visionnages, ça va? NP. C'est dommage, hein? Bon, on laisse le Discord tourner. Ouais, vous pouvez, il n'y a aucun Ouais. souci si vous avez envie de rester parler entre vous. On a un bon paquet, hein? Et monsieur Mathieu Laval, ça va? Très Salut bien, toi, Mathieu. Tony. Mais oui. Salut, Tony. Ça roule. T'as commandé un Vario? Non, je vais aller chercher directement à mon magasin de mobilisme. C'est bien, faut soutenir les commerçants. Pas les Chinois.
Il dira plus ça quand ça sera plus sa, quand ça sera la, plus la carte bleue de papa. Ouais, c'est ça. C'est comme l'essence. Quand t'emprunteras ta, plus la caisse de papa, mais que t'auras la tienne, voilà. Tu seras plus tu rouleras plus raisonnablement. Ça arrêtera le fond de deuxième et le fond de troisième. Exactement. Ben, je coupe le live. Merci à tous d'avoir suivi. Bonne app, Tony. Merci beaucoup. Bonne app à vous. J'ai mangé, je suis désolé. NPNP. Bonne app à tout le monde, à tout à l'heure. Tu repasses ou bien tu repasses pas après? Oui, je repasse. Je repasse tout à l'heure, termine la carrosserie, vers 22h. Voilà. Alors, bon appétit. Hein. Merci. Bon appétit à tout le monde. Bonne soirée, à tout à l'heure. Bonsoir, bonjour. À tout à l'heure. Bon appétit. Le...